télévision ce matin. C'est une nouvelle télé-réalité qui devrait bientôt voir le jour, Sandy. 20 personnes enfermées dans un château et filmées 24 heures sur 24. Et non, ce n'est pas la Star Academy, mais la Balzac Academy. La première télé-réalité littéraire française, suivant des écrivains rédigeant un roman, devrait bientôt voir le jour sur Internet. Pour ceux qui sont intéressés, la présélection se fait par Internet jusqu'en août. Alors, les 20 écrivains sélectionnés intégreront le château de Briac. Les 20 écrivains, parce que déjà, tu peux pas y aller. Ah oui, c'est vrai, pardon. Non, mais déjà casting, bien. Donc on recommence, plouf. Les 20 écrivains sélectionnés intégreront donc le château de Briac, dans les environs de Cognac, en Charente. Ah bah très bien, ça, c'est une bonne région. Attends, justement, tout est prévu hein, pour que les auteurs ne manquent pas d'inspiration. Spa, piscine chauffée et chai de Cognac, évidemment. Bien entendu. Voilà, tu peux y aller. On pourra assister à toutes les étapes de création du roman, grâce à des reportages, à des lectures et aux caméras filmant sans interruption les participants. Enfin, le roman gagnant sera dévoilé le 24 octobre prochain et son vainqueur aura son roman publié à 100 000 exemplaires. Super, hein. Voilà. J'espère que Loana ira, hein. Comme ça elle pourra écrire deux lignes. Il est 9h20 sur Nostalgie, tout le monde à la plage avec Christophe Señorita et les Beach Boys à Get Around Nostalgie.